En 1931, le Japon commença à occuper la Mandchourie. Il y fut établi un état vassal dénommé Manchukuo. L'armée agissait alors sans aucune retenue politique. Depuis l'époque des shoguns, des hommes dans plusieurs villages avaient hérité de certaines traditions dans l'art du karaté, et se les étaient transmises de génération en génération. Mais, en ces temps troubles, ils découvrirent qu'un destin cruel les attendait. Je suis le capitaine Taniara, police militaire, 7e escadron. Dorénavant, vous et vos disciples obéirez à mes ordres. Pouvons-nous savoir pourquoi ? Par ordre de Monsieur Hideisa Goda, commandant de cet escadron, tous les membres sans exception du dojo Shibahara ont le devoir de rejoindre l'armée au plus tôt.
Ils sont mobilisés et serviront les couleurs du Japon. Videz les lieux! C'est un ordre! C'est impossible. Vous n'avez pas le droit, ce n'est pas juste. Silence! À quoi peut bien servir le combat à main nue? Lorsqu'un ennemi armé se trouve en face de vous, hein? Dites-moi! Capitaine Taniara, sauf le respect que je vous dois, je pense que vous faites une erreur. Nous avons un accord signé par l'empereur pour pratiquer le karaté. Giryu, apporte-le, tu veux bien. Maître. Oh. Comment osez-vous? Cet accord ne vaut plus rien. Ce dojo est réquisitionné. Vous devez obéir. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Du calme! Ça doit être une erreur! Pouvez-vous nous laisser du temps? Nous allons tâcher de régler cette affaire! Ôte tes serpents! Shoei! Salopard! Nakajima! Caporal! Est-ce que ça va, Caporal? Tu es mort! Taikan! Non. Capitaine, je vous provoque en duel! Taikan! Commençons. Taikan, on n'attaque jamais au karaté. Tu dois juste te parer ses coups et les dévier, d'accord? Rappelle-toi aussi qu'en aucun cas, on ne frappe son adversaire avec ses poings, ni ses pieds. Cela est mon enseignement. C'est un duel dans les règles avec témoins. Attends-toi à ce que j'aille jusqu'au bout. Permettez-moi, monsieur. Soldat de première classe Mamoru Yoshida, en position de combat. Prêt ? Yoshida ! Est-ce que ça va ? Yoshida ! Suivant ! Une espèce de rat ! Sakimoto, en position ! Takimoto, réveille-toi, bon sang! Mon capitaine, il est mort! Que dis-tu? Suivant! Chien galeux! Taikan! Ça suffit. Griot, prends sa place. Maître, s'il vous plaît! Non! Alors je vous tuerai tous les deux. Giryu, vas-tu suivre l'enseignement du maître? Si oui, tu perdras le combat. Et je reviendrai pour le battre. Approche, finissons-en.
Police militaire du Japon. Capitaine d'escadron, Taniara Kiichi. Dojo de Shibahara. Giryu. Achève-moi! Tu crois que je pourrais vivre dans le déshonneur? Mon maître. Mon karaté n'a jamais égalé celui de Giryu ou de Taikan. Je le sais depuis toujours. Mais en plus, maintenant, à cause de cette blessure, je ne peux plus suivre votre enseignement. Maître. Mon maître. Qu'avez-vous ? Maître, répondez-moi ! La police va revenir. Très bientôt. Elle et sa violence. Mais la solution de les combattre n'est pas la bonne. Quel que soit leur tort. Vous ne vous battrez pas. En aucun cas. Maître, j'ai une question. Vous avez toujours interdit les combats. Vous n'acceptez pas les projections, ni les coups de pied. Pourquoi nous entraîner si nous n'avons pas le droit d'utiliser notre science du combat ? Hein ? Pourquoi ? S'il vous plaît, expliquez-nous, maître. Taikan ! Silence ! Tu le sais déjà.
Votre science du combat ne devrait s'appliquer qu'à vous-même. Ce n'est qu'alors que vous pourrez faire l'expérience de la félicité suprême. J'ai du mal à comprendre, sauf votre respect. Ne devrions-nous pas plutôt combattre dans le but d'améliorer notre art karaté? Taïkan à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Crois-moi, cela ne te rendra certainement pas plus fort. Choué. Maître. Apporte-moi le Kurobi. Oui, maître. C'est toi qui le garderas pour l'instant. Je te le confie. Vous êtes sûr? Oui. Je vais te donner une mission. Cette ceinture noire appartiendra à mon successeur, à lui seul. Peut-être. Peut-être que ce ne sera aucun d'entre vous. Choué, tu décideras qui en est digne. Mon maître, c'est à vous de décider ça. Et maintenant? Le noir est la seule couleur qui ne peut être souillée. C'est la couleur de la volonté et de la détermination. Un jour viendra, vous comprendrez. Mon maître? Maître? Oh non. Non, maître. Pas vous. Non. Je n'arrive pas à comprendre. Le seul et unique moyen d'être plus fort réside dans le combat. Giryu. Pourquoi n'as-tu pas achevé cet homme? C'était un duel d'homme à homme et tu l'as humilié. La seule chose à faire était de le tuer. Tu n'es qu'un pleutre. Hé, regardez! La police! Par ordre de Monsieur Goda, commandant du 7e escadron, l'art du karaté Shibahara sera transmis à l'armée impériale. Ses disciples assureront l'entraînement des troupes. Désolé, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez nous suivre et servir la police militaire. Est-ce que c'est clair? Prenez vos dispositions, vous avez une heure.
accepter de les suivre. Libérez le passage. Je suis Ichirota Taniara. Et moi sa sœur, Kaori. Giryu, tu as tué notre père. Giryu? Non, c'est faux. Une minute. Giryu n'a pas tué le capitaine. Il est mort il y a 3 jours. Il s'est suicidé. Comment ça? La situation dans laquelle vous l'avez mis n'était plus vivable. Vous l'avez humilié. Il a choisi de mettre fin à ses jours plutôt que de vivre dans le déshonneur. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Achève-moi. Je ne pourrai pas vivre dans le déshonneur. Giryu! Finissons-en! Attendez! Choé, ne t'en mêle pas. C'est Giryu qui a provoqué ça. Débrouille-toi tout seul. Tu vas mourir! Kaori, je tiens! Allez! Tue-le! Maintenant! Je ne pourrai pas vivre dans le déshonneur! Vous croyez qu'il est mort? Avec une chute pareille? Oui. Taken. En route. Taikan, aurais-tu oublié l'enseignement du maître? C'est comme ça qu'on apprend l'intensité du karaté pour moi. C'est la meilleure méthode.
Je suis désolée. Est-ce que je vous ai fait mal? Non. Bonsoir, papa. Ça a été aujourd'hui? Comment va-t-il? Il vient de se réveiller. Ah. Enfin, vous voilà réveillé. On vous a ramassé dans un sale état sur le bord de la route. C'est moi qui t'ai trouvé. Rassurez-vous, votre blessure n'est pas profonde. Vous serez debout dans quelques jours. Je vous remercie. Dites-moi, que vous est-il arrivé? Ah, il est bon que certaines choses restent secrètes. Ça fait mal? Tu te débrouilles bien, dis donc. Je laboure la terre depuis toujours. Arrête, s'il te plaît. Kenta. Ça suffit, assieds-toi et mange. Bon, d'accord. Anna, puis-je savoir où va votre père chaque jour? Notre famille est devenue pauvre. Il a dû accepter un autre travail en plus. Grande sœur, ça te ferait plaisir si Giryu restait pour toujours? T'as l'air de bien l'aimer. Kenta! Et Giryu, tu peux nous dire ce que tu faisais avant? Eh bien, j'étais... Il est mort il y a 3 jours. Il s'est suicidé. Tu pratiques le karaté? Oui, depuis l'enfance, monsieur. Tu ne fais que parer les coups. Esquive-les et tu auras les points libres pour contre-attaquer. Une dernière chose, utilise le mouvement naturel de ton corps. Allez, essayons. Encore, monsieur. La tête est bien trop en avant. Regarde où est ma main. C'est un point vital. Un coup à cet endroit et tu pourrais suffoquer. Ou bien mourir dans d'atroces souffrances. Oh, bravo, belle démonstration. Saluez! Je vous présente votre commandant d'escadron, Monsieur Hideisa Akoda. Voici donc Taikan. Vous avez déjà un bon point, votre tête me plaît.
Je ne permets pas qu'on fume ici. Quel drôle de personnage. Asseri. Ce soir, nous organisons une petite fête en votre honneur. Je ne vous cacherai pas que je suis impatient d'avoir une petite discussion d'homme à homme avec vous. À ce soir, Taikan. Mi. Allez, mon cœur. Mais tu vas tais-toi. Non, tout va bien. Oh, le pauvre. Regardez-le. Soldat, relevez-vous. Puis-je vous demander ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air de vous amuser. Tu me chatouilles, friponne. N'ayez crainte. Ce saké n'est pas empoisonné. Ou peut-être que vous n'appréciez pas ma compagnie. Entre nous, je vous trouve très délicat et très viril à la fois. Arrête ça. Alors, mon cher Taikan, on s'amuse bien? Tu sais, le Japon est en train de devenir très puissant. La création du Manchukuo n'est bien entendu qu'une étape dans le processus de colonisation qu'a entamé l'Empire. D'autres guerres nous attendent. Nous devons renforcer nos troupes. Il va donc falloir plus d'endroits pour l'entraînement de la police militaire. Nous comptons sur ton aide. Et si nous trinquions à la nôtre et à la nation? Je croyais que vous dormiez. Je ne devrais pas être là. Non, attendez, restez encore un peu. Vous êtes très beau. Me dis-tu la vérité? Kintichi, sors de là! Kintichi! On sait que t'es là! Sale ivrogne, le saké t'aurait-il rendu sourd? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de ne pas venir ici. Nous sommes là parce que ça fait 2 semaines qu'on ne t'a pas vu. Oui, je sais bien, mais...
Tu as joué et tu as perdu. Maintenant, paie. S'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. Tu en as déjà eu trop. Bon. Kenkichi. Et si nous faisions un marché? Donne-moi ta fille et nous serons quittes, d'accord? Comme ça, tout le monde sera content. Espèce de des injures. Papa! Laissez-le tranquille! Voilà un petit garçon bien téméraire. Kenkichi, réfléchis à ma proposition. Je te donne 2 jours. Allons-nous-en. À bientôt. Papa! Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je suis fier de toi. Le document que vous me présentez n'a aucune valeur pour l'Empire. Ce dojo est réquisitionné par la police militaire. Veuillez vider les lieux! Taikan est très fort. Personne n'arrive à le battre. À ce jour, il nous a gagné 5 dojos. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Voici notre prochaine cible. Un bel endroit, très bien placé. Le maître de ce dojo s'appelle Togo Takaomi. Il y enseigne un style de karaté très proche de celui de Taikan, il paraît. Tout le monde dit qu'il est le maître le plus puissant de cette région. Le maître le plus puissant, dis-tu? Alors le combat entre lui et Taikan vaudra vraiment le détour. Au sujet de ces dojos, monsieur, puis-je savoir pourquoi vous êtes en train de les réquisitionner? La moitié d'entre eux serait utilisée pour l'entraînement de nos troupes. Et l'autre? L'autre sera à moi, mon cher. Un jour, quand tout cela sera fini, j'y ferai de belles affaires. Surtout ici, dans ce petit coin de paradis. Tu pourrais être, si tu veux, mon associé. Dans quel domaine, au juste? Les filles. Les filles? Tu vois, je considère que vendre les femmes est la meilleure façon pour faire de l'argent, et beaucoup. Oh, que oui! Taikan est un atout majeur. Avec lui, de notre côté, prendre ces dojos ne sera qu'une simple formalité. Le karaté, il n'y a que ça de vrai. Ça, oui! Tout ce que j'ai. Le karaté, rien d'autre. Thank you.
C'est bon, allons-y. Anna, je t'en supplie, pardonne-moi. Grande sœur, salaud. Kenta, lâchez-la, vous n'avez pas Kenta, le droit. Kenta. Kenta, avance. Anna. Kenta, non, non, lâchez-moi, sale petit morveux. Laissez-le. Tu vas voir. Grande sœur. Kenkichi, explique-lui, tu veux bien? Allez, dis-lui que le méchant n'est pas celui qu'il croit. Kenta, pardonne-moi. Tu sais, ton père est très endetté, mon garçon. Et puisqu'il ne peut pas payer, on a trouvé cette solution. On est en train de l'aider, là, tu comprends? Ta sœur sera heureuse là où on l'emmène. Elle aura de beaux vêtements et mangera à sa faim. En fait, tu devrais nous remercier pour ce qu'on est en train de faire. Vous n'avez pas le droit de l'emmener. Je vous en empêcherai. Kenta. Non. Kenta, ça suffit. Écoute ta sœur. Giryu, fais quelque chose. Allez, il faut que tu nous aides. Qu'est-ce que t'attends? Je t'ai vu t'entraîner et tu sais te battre. Giryu. Giryu, s'il te plaît. Monsieur veut se battre? Réponds, tu veux? Giryu. Moi, je crois plutôt que t'as rien dans le ventre. Reviens me voir quand t'auras moins peur. Partons. Ouais. Je te déteste, Giryu. Je te déteste. T'es un lâche. Un lâche. T'entends? T'es qu'un lâche. T'as rien fait. Lâche. Lâche. Kenta! Anna. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où ça? Qu'est-ce que tu crois? Je vais essayer de libérer ma sœur. Je peux t'aider. Menteur! T'es qu'un lâche, Giryu! Kenta! Attends! Kenta! Kenta! Quoi? Dis, si Anna est heureuse où elle est, on rentrera sans elle. On est d'accord? D'accord, dépêchons-nous. Comment peux-tu faire ça? Tu ne fais qu'aller à l'encontre de tout ce que nous a enseigné le maître. Je te rappelle qu'il nous a dit aussi de suivre notre propre chemin. Alors comme ça, ton chemin, c'est de tuer et de prendre par la force les autres dojos. Je me fiche de tous ces dojos. Je le fais pour Goda. Ce que je veux, c'est combattre. Avec de grands adversaires. Shoei. Giryu et toi, vous n'êtes que des lâches. Des pleutres. Des gens comme vous ne méritent pas le Kuro Obi. N'ai-je pas raison?
Une pause. Mes sincères condoléances pour la mort de Shibar. Merci à vous. Cette triste nouvelle n'est malheureusement pas la seule. Quand on m'a dit que ses disciples s'emparaient d'autres dojos, je n'y croyais pas. Mais je vois que c'est la vérité. Togo Takaomi. Taikan. Jamais plus. Vous ne mériterez le Kuro Obi. Giryu. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a rien mangé depuis hier. Je sais pas pour toi, mais moi je meurs de faim. Un peu de patience. Oh. Giryu, regarde, c'est eux. Quelqu'un pour le 2? Je prends deux. Rappelle qu'on est à 3. La mise complet, fin des mises. Messieurs, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Le 7 devant. Le 2 derrière et le... 5. Oh. Sale tricheur, je vais vous casser là. On va rien faire. On va pas casser. Allez, 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 allez. Du calme, messieurs, du calme. Allez, faites vos jeux. Mise à 300. Mon petit doigt me dit que je vais tirer un bon prix de chacune d'entre vous. Qui est-il? Deux hommes sont là. Il me faut comprendre qu'ils cherchent des filles. Ils vous attendent. Qu'est-ce que vous faites là? Où est ma sœur? Je veux la voir. Tu veux te battre? Dis-nous où elle est ou t'es mort. Reste pas là. Ôte tes sales pattes. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-le-moi dehors. Entre chez toi. T'es sourd ou quoi? Tu vas voir, espèce de... Dégage, incapable! Giryu, c'est ça. On peut dire que t'as un sacré culot de venir ici. Un geste. Giryu, c'est fini.
Écoute-moi bien. Tu vas rester bien tranquille ou il est mort. Hein? Viens là, mon joli. Giryu, tu ne sais pas tout. La petite Anna, je vais la vendre à une maison close. Elle sera une fille de joie. Elle a beaucoup de potentiel entre nous. Et avec tous nos pauvres soldats, elle ne manquera pas de travail. Une dernière chose. Là où elle va, tu ne la retrouveras jamais. Fils de... Relève-le-moi. Debout. Allez, dépêche. Ah, saloperie. Arrête. Reste là, toi, sale petite peste. Aïe. Reviens ici tout de suite. Tu vas voir qui s'attrape. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Ils vont le tuer, au secours. Il faut qu'on aille l'aider, vite. De qui est-ce que tu parles? De mon ami, Giryu. Il est en danger, il faut faire quelque chose. Giryu, tu as bien dit ce nom? Taikan, où tu vas? Où est-il? Là-bas, vite! On peut savoir qui vous êtes. Quatre, c'est tout. Voyez-vous ça? On dirait que le petit morveux a trouvé de l'aide. Vous trois? Oui, quoi? Occupez-vous de lui. Avec plaisir. Tu vas regretter de t'être mêlé à ça. Qu'est-ce que vous attendez? Écrasez-le-moi! Oui, chef! Amène-toi! Tu vas voir! Lâche-moi, espèce de... Allez, viens! T'approche pas, salopard. Génial. Giryu. Ikan. Ils t'ont bien amoché. C'est ma faute. Ils retenaient l'enfant en otage. Tu sens l'alcool. Exact. J'aime le saké. Et les femmes aussi. Je connais enfin la vraie vie et ses réalités. Giryu. On ne peut pas vivre avec un cœur pur comme le tien. Le monde est constitué de choses bonnes et mauvaises.
Pour être fort, il te faut piocher dans les deux. Pauvre crétin. Regarde-toi, tu es ridicule. Fiche le camp, je t'ai assez vu. Tu m'as l'air toujours affûté. Guerriou. Guerriou. Il y a une chose que je comprends pas. T'es aussi fort que lui, non? Fallait leur mettre une raclée. Tu faisais que te défendre. Tu pourras jamais gagner comme ça. Franchement, t'es bête. Tu as raison. Je ne suis qu'un idiot. Un pauvre idiot. Guerriou. Guerriou, ça va? Arrête de bouger. Guerriou. Nous sommes arrivés, monsieur. Nous vous attendions, commandant. Vous n'allez pas être déçus. Nous avons plusieurs jolies filles pour vous. Je vous en prie. Tenez. Oh. Regardez-moi ça. Voilà une bien jolie fille où je ne m'y connais pas. Tiens, j'ai oublié. J'ai du travail demain. Quel malheur. Je ne vais donc en choisir que trois. Et qu'en dites-vous, hein? Que leur avez-vous fait, hein? Répondez-moi. Qui êtes-vous? Rentrons.
pauvre imbécile. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Alors, tu connaissais ce Giryu? Oui. C'est quoi cette histoire? Vous deviez vous en occuper. C'est très étrange, monsieur. On l'avait laissé dans un sale état. Un sale état, oui. Un sale état? Vous m'aviez dit qu'il était quasiment mort. Il en avait l'air, monsieur. Pas vrai? Pour sûr. Tout ce que je vois, c'est que ce Giryu a enlevé les filles. Que la police nationale parte à sa recherche sur le champ. Oui, monsieur. Mais attention. Je veux surtout qu'on me le ramène ici, vivant. Vivant? Je veux que ce soit la police militaire qui l'exécute. Mais ce n'est pas la procédure, monsieur. Ce petit salaud m'a insulté de la pire manière qui soit. Ceci est intolérable. Je comprends, monsieur. Pardon? Oui, commandant. Taikan doit se battre contre Togo Takaomi aujourd'hui. Je suis sûr qu'il va l'écrabouiller. Je veux voir ça de mes propres yeux. Très bien. Incapable! Papa! Je suis si content! Kenkichi, cette maison de jeu n'est qu'une couverture! Une couverture? Tout ce qui intéresse ces salopards, ce sont nos filles et rien d'autre! C'est la vérité! L'un d'eux me l'a dit alors que je tentais de récupérer Tae! Oh, ma petite fille! Papa! Viens voir! Quoi? Le combat peut commencer. Prêt ? Le vainqueur héritera du Kuro-Obi de Shibahara. Il lui sera remis à la fin de ce combat. Tu y veilleras personnellement. Qu'il en soit ainsi. Taikan, ça suffit! Debout!
Taikan, pourquoi? Les perdants préfèrent la mort au déshonneur. Tu n'as pas encore compris. Togo aurait été d'accord. Jamais. Je ne te le pardonnerai jamais. Tiens, tiens, monsieur utilise ses pieds maintenant. Tu aurais dû y consacrer plus de temps à l'entraînement. Un coup pareil ne ferait pas de mal à une mouche. Le Kurohobi me revient. Nul ne peut le contester. Commandant, ils ont retrouvé Giryu. Giryu ? Nous nous rendons au temple Ensai. La mission est d'arrêter un certain Giryu. Cet individu a kidnappé plusieurs femmes. Est-ce que vous m'avez bien compris ? Oui, chef ! Messieurs, ce Giryu est un très dangereux criminel. Par conséquent, vous pourrez utiliser vos armes. Rompez ! Non, attendez ! Vous vous trompez, ce n'est pas lui. Il ne ferait jamais ça. C'est impossible, je le jure. Comment oses-tu t'adresser au commandant de la sorte ? Hors de ma vue ! Et Taikan ! Giryu ne représente-t-il plus rien pour toi ? Mais ils vont l'abattre comme un chien ! Qu'il se débrouille. Taikan, attends ! Tu sais ce que je pense. Tu n'as ni le mérite ni le droit d'avoir le Kurohobi. Tu n'es qu'un meurtrier. Taikan ! On est là. La police nous a dénoncés, ils viennent chercher les filles. Je les en empêcherai. Et comment tu vas faire? T'y arriveras jamais, tu fais que te défendre. Pas comme l'autre monsieur. Tu veux dire Taikan? Oui, lui. Si seulement il était là. On n'attaque jamais au karaté. Le but n'est pas de terrasser les gens. Le karaté représente tout pour moi. Je ne peux trahir mes convictions. Même si ces gens sont des salauds, Kenta. Mais c'est vrai! Tu sais ce que je pense. Tu n'as ni le mérite ni le droit d'avoir le Kurohobi. Tu n'es qu'un meurtrier. Bon sang. On n'attaque jamais au karaté. Tu dois juste parer ses coups ou les dévier. Rappelle-toi aussi qu'en aucun cas, on ne frappe son adversaire avec ses poings, ni ses pieds. Cela est mon enseignement.
Giryu, l'enlèvement est un acte criminel. Relâche ces femmes sur le champ! J'applaudis. Vous êtes tous très courageux. Allez-vous-en. Assez perdu de temps. Attrapez-le! D'accord. Ah, au fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y a rien à craindre. Ce type est un lâche, il ne rend pas les coups, ce ne sera pas trop dur. Shoei, Giryu, pour l'amour de notre dojo, respecte l'enseignement du maître. Ça suffit, occupez-vous d'eux. Ouais, chef. Oui, chef. Arrêtez-vous. Poussez-vous, crétin. C'est entre lui et moi. Un petit conseil, Giryu. Ne fais pas le moindre geste, ou mes hommes ouvriront le feu. Tuer juste avec ses trois doigts. Vous n'êtes pas en train de me menacer, j'espère. Vous n'êtes qu'un gros salopard à qui on a donné trop de pouvoir. Laissez-moi me battre contre lui, sinon vous mourrez dans d'atroces souffrances. Comment osez-vous? Et si par hasard, pendant le combat, l'un de vos hommes bouge, ne serait-ce que le petit doigt, je vous tue, c'est compris? C'est compris. Du calme. Il s'en remettra. Quelle ironie qu'il voit en toi un dangereux criminel. Giryu, ce combat est inévitable. Le temps est enfin venu. Shoei, tu en seras le témoin. Suis-moi, Giryu. Giryu, crois-tu pouvoir gagner contre moi seulement avec des techniques de défense? Frappe-moi! Tu ne me battras jamais de cette façon! Huh?
Ryu. C'est mieux. Tu le sais déjà. Votre science du combat ne devrait s'appliquer qu'à vous-même. Ce n'est qu'alors que vous pourrez faire l'expérience de la félicité suprême. Yeah.
Je comprends enfin le sens des mots de notre maître. L'homme qui arrive à contenir l'attaque de son adversaire est le plus fort des deux. Je dois te remercier. En allant contre les paroles du maître, tu m'as appris quelque chose. L'attaque, dans certains cas, peut devenir la meilleure défense. C'est pourquoi j'avais choisi ce chemin. Taïkan. Le Kurobi, il te revient. Tu le mérites. Taïkan. Pour honorer les dernières volontés de Taïkan, Giryu fonda avec l'aide de Shoé son propre dojo. Bien que celui-ci fût petit, beaucoup aspirèrent à y étudier. Thank you.